Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule et nous entamons une nouvelle semaine de ce mois d'octobre. Nous sommes lundi 14 octobre 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous continuons toujours avec l'oracle, chemin de soi. Nous terminerons par Ho'oponopono et puis, eh bien, nous allons débuter avec la pensée positive, n'est-ce pas? Pensée positive de ce 14 octobre, hors du monde parfois. La solitude est une prise de conscience. C'est accepter de rechercher la vérité en soi. Il faut savoir s'aménager des moments d'intimité avec soi-même, même si l'isolement est une expérience difficile. Ceux qui ne le font pas se fuient eux-mêmes. Voilà, belle pensée positive. Pour ce matin, cet oracle pour avoir un conseil, n'est-ce pas, un questionnement que vous auriez aujourd'hui sur votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, sur vos finances, le petit conseil spirituel. Donc, posez-vous la question et puis soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous, puis ça parlera encore à certains, ça parlera pas à d'autres, et encore une fois, c'est un conseil, vous avez votre libre arbitre. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai piché la carte numéro 6, la parole t'aidera toujours à avancer, le silence ne peut que te fragiliser. Combien de fois que je ne vous ai pas dit, le dialogue est très important, la communication est très importante. Voilà, la communication est très importante. Un bon dialogue, eh bien, on peut résoudre pas mal de choses. Que le monologue, eh bien, ne résout rien. Alors, petit conseil au point de vue des finances. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une impasse financière, eh bien, c'est le moment de décrocher votre téléphone et d'exprimer vos difficultés. Il existe toujours une solution quand on ose s'exprimer. Eh bien, voilà un averti en vos deux. Alors, côté professionnel, pour certains d'entre vous, si vous vous sentez à l'étroit, n'est-ce pas, dans votre travail, ou peut-être que c'est injustement considéré, n'est-ce pas, eh bien, c'est le moment pour vous de demander d'avoir un entretien avec un de vos supérieurs, afin de pouvoir, eh bien, vous exprimer et trouver ensemble la solution qui vous apaisera dans votre travail, dans votre milieu professionnel. Le dialogue, 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 n'est-ce pas? Côté sentimental, eh bien, dans votre couple, peut-être que certains d'entre vous, il n'y a plus de communication, ou il y a un manque de communication. Et c'est la première barrière dans un couple qui fait que le couple, eh bien, peut sombrer. Donc, la communication est de mise aujourd'hui. Il est temps, vraiment, il est temps de dépasser votre timidité ou votre côté introverti afin de poser des mots sur vos mots. Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est important
que vous disiez à votre compagnon, votre compagne, eh bien voilà, ça et ça, ça ne va pas, ça va, mais ça ne va pas. Si vous avez maintenant des difficultés à communiquer, petite astuce, vous prenez un vase et tous les jours vous demandez à votre compagnon ou votre compagne, eh bien, d'écrire sur un petit morceau de papier ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aimerait changer. Et vous, pareil, vous pliez ce petit papier, vous le mettez dans le vase. Et au bout d'une semaine, eh bien, vous prenez une heure, par exemple le week-end, et vous mettez le vase sur la table. Et chacun à votre tour, eh bien, vous pigez un papier que vous avez écrit, ce qui vous dérange, ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimez plus. Et puis, c'est comme ça que vous allez établir cette belle communication. Voilà, c'est une petite astuce, hein, maintenant, chacun fait comme il veut. Faites-vous peut-être accompagner dans ce sens si c'est trop difficile pour vous, peut-être en parler autour de vous et peut-être avoir des pistes, eh bien, pour communiquer avec votre partenaire. C'est important, vraiment, pour votre couple. Je termine avec la spiritualité, le petit conseil spirituel. Si vous vous sentez un peu perdu dans votre évolution, si vous souhaitez ressentir leur aide, demandez et vous aurez, et soyez précis dans vos demandes. Vous ne serez jamais seul, vous n'êtes pas seul. Demandez. C'est important de demander parce que là-haut, ils ne viendront pas à vous si vous ne demandez pas. Donc, il faut communiquer avec votre maître ascensionné ou votre défunt, votre ange gardien, les archanges, notre créateur. C'est le dialogue. Tout ça, c'est important, n'est-ce pas? Bon, eh ben ça, c'était les petits conseils de cette carte du jour. Je termine avec Ho'oponopono. Et aujourd'hui, j'ai pigé le pardon permet de vivre dans la paix. Mon Dieu, hein, je vous rabâche les oreilles avec le pardon, n'est-ce pas? Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Voilà, je vais me redire, pardonnez, ce n'est pas pardonner pour l'autre, mais pardonnez pour vous, et pardonnez-vous si vous avez offensé des personnes aussi. Le pardon, ça retire un poids sur les épaules. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message, et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, et moi, je vous dis à demain, et je vous embrasse.